You want a piece of me, boy? Nuclear launch detected. Bah Eva, tu peux pas baisser le son de 50%? C'est pas grave, on s'entend hup, mais en tout cas c'est parti les amis pour ce groupe, je sais pas combien de GSL, ah, c'est du lourd, c'est du sale, ça va être du Steel A, ouais. On a Trap, Dark, Classic et TY, et ce soir mon gars, je tire for TY, voilà, TY, c'est ma man, tu vois, comme toi en rap, toi t'es ma man, tu vois, bah TY sur Starcraft, c'est ma man. T'as regardé les résultats quoi. Ah non, non, non. Comment? Si tu sais ça, c'est peut-être parce que toi, tu sais, Anno. C'est que t'as regardé les. Moi, je sais, ouais. Ah ouais. Allô? C'est Dark et TY. Comment? Dark TY? Non, je le dis au pif. C'est ton bête. J'ai raison. Ton bête. Bah, s'il y a Dark et TY, toi, t'es ligne classique, toi. Toi, classique, tu le tèches. Classique, toi, t'es pas intéressé. Sur le début d'année 2018, classique ne te parle pas. T'as raison, j'étais un mec est un immense. Non, t'as raison, je dégage TY en fait. Comment? Nani? Bon, moi, je dis Dark en tout cas. Allez, bah n'hésitez pas les gars pas à dire dans le chat votre pronostic bien sûr. Maeva, envoie-nous les assets, c'est parti babe. Et on commence avec un petit récap résumé de ce qui passait du groupe B. Ouais. Dire sous Innovation et Jin Air, Green Wings, Rogue. Et comme vous pouvez le voir, Innovation est passé en premier. Non, excusez-moi, Dire est passé en premier. Et ensuite, c'est Rogue qui est passé en deuxième. Du coup, on a perdu le bon Innovation. Au grand dame des spectateurs. Et ouais, mais bon, c'est pas bien grave. Zest et Dir en bas, Maru et Rogue en haut. Pff, ouais, il y a du lourd. Et là, regarde, dans cette colonne de titans, là, tu me dirais que c'est donc Dark et Classique qui passent. Trap, il passe pas. Moi, je dirais, je dis Classique sur 100%, premier de groupe. Et après, classique, je vais dire TY parce que tire fort et right. Classique, premier de groupe sur Dark déjà. Ah, mais mec, Classique, il est bien plus chaud que Dark. Et Dark, ah bon? Classique, mec, c'est insane. J'aime pas ce que tu dis là. Attends, je vais t'ouvrir l'Wikipédia de classique, tu vas parler chinois. C'est le live de l'époque. Je parle coréen moi déjà. Ah ouais? Moi je vais t'ouvrir le Wikipédia de Dark, tu vas parler coréen, bâtard. classique, current player for Prime. Et non, c'est celui de SK Telecom. Allez, faut voir sur les premières games. Là, ce qui m'embête, je te fais un prono, c'est que moi j'ai l'impression de le dire au pif. Sauf si je dis Dark. Alors, ça discute un peu. Donc là, sur ce début d'année, mec, il a fait top 3-4 en Super T, il a fait top 4 en WSG, il a fait top 2 en IUM-Kato, et il a fait, en fin d'année dernière, top 3. Regarde tout ce qu'il fait, il est dans le top 4. Et tu vois, à droite, Dark. Dark is everywhere, papy. Non mais man. Bon, non mais je te dis, en vrai, c'est classique, il passe premier, peut-être Dark derrière, mais moi, je tire pour TY, tu vois. Moi je mets Dark en premier, Classique en deuxième et tire pas pour TY. Est-ce qu'il se joue à moi? Je sais pas, attends, faut que je dise. Kimdo! Chipende! Regarde, il est tellement riche qu'il est en train de se payer l'orthodontiste. Je lui ai donné le sang. Oh!
Kimdo. Regarde, tu vois. Papa Tark, il est allé chercher classique. Tu vois le mojo un peu. Tu vois un peu ton classique là, ce qu'on va en faire. Tu connais Minecraft? Comment? Là, lui a dit, je vais te péter la gueule. Tu vois, là, il est en train de lui faire. Je t'ai éclaté. Fais le malin. C'est comme toi en GSL, mon gars. En OGSL, t'es allé chercher Beaumont, t'as pris une claque, tu vois, c'est pareil. Là, toi, c'est Dark. Et classique, c'est Beaumont. Et là, tu vas dire que Dark, il va l'avoir laissé gagner à la fin de la soirée, mais ça ne fonctionne pas comme ça. Non, je le dirai pas. Il va gagner. Classique, tu sais pas, mais depuis qu'il a son appareil dentaire. Il a du mal. Ah ouais. Ah, ça tire ses dents et tout, il se sent pas bien. Il perd 20% de son skill. On va voir. Celui de droite, il brille dans le noir. Il y en a un qui a dit ça. C'est pas faux. Il attrape, il a envie là. C'est vraiment trop marrant là, GSL. Ouais. Je suis tellement fan. Le concept est vraiment bon et tout. Donc là, c'est Trap hein, évidemment qui a été pris. Faites gaffe parce que, comme il a le truc chinois et tout, ils ont tous les deux une tête un peu ronde, sans racisme aucun, mais peut-être que certains auraient pu le confondre avec Maru, ils ont un peu la même coupe de cheveux et tout. Non, je le dis très sérieusement. Okay, okay. Donc c'est pas Maru, les gars, hein, c'est Trap, au cas où. Du coup, c'est pas Ron. Non, il est là, Maru. Trap, j'aimerais bien dire, ouais, faut s'en méfier de ce mec là et ta 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 ta, mais putain, la dernière fois que je l'ai vu jouer, c'était moyen plus. Trap, c'est ton boy en vrai. Bah, Trap, il y a une époque où avec ses oracles et tout, je lui disais, c'est trop marrant, chaque fois que tu parles de Trap, tu parles de ça, c'est trop marrant. Mais c'est trop marrant. Bah, y'a que ça qu'on peut se rappeler de lui. Bah, ouais. Non, Trap, il est aussi sexy boy, c'est vrai qu'il y a des petits smacks à la cam. Et au moment où il se fait imploser par Serral à Katowice, il tape sur son bureau pour en quittant. Il tape un petit comme ça sur son bureau et ça, c'est une image qui est très jouissive. MMA. Un coréen qui tilte. C'est quoi cette musique de porn allemand? Derrière moi aussi, j'ai tapé sur mon bureau comme ça, ça m'a arrêté sur le game. Sur une game de quoi? Fortnite. Fortnite? Ah ouais. Ce qui m'a fait énerver, il y a un jetpack et je joue avec un pompe qui a beaucoup de. Bon, bref. Et le mec il me pour alors que je lui ai mis 4 hits à 14 de dégâts, ça m'a rendu fou. Et j'ai tapé comme ça. Si un jour, je sais pas, je faisais des kills. Regardez-le. Non! Ino, personne ne voulait jouer contre lui. Ouais, normal. Merci, Sim Fischer. Allez. C'est completed. Un bon groupe au final. Un bon groupe. Classic TY, mec. Je suis sûr. En vrai, non. Ah putain. Tu vois, je pense que ça va être Classic Dark, mais j'ai envie de dire Classic TY. Oh, Maeva, stop ce fanboyisme, fangirl. Bah ouais, mais voilà, tout de suite, il y a un coréen un peu mignon qui fait un cœur, tout de suite, la nana, elle craque, quoi. Ça me tue, ça. Vas-y, envoie la game, Maeva. C'est bon. Jalousie. Ouais. Moi, je suis jaloux, moi. Moi, j'aimerais tellement séduire le cœur de la belle Maeva. T'as qu'à travailler plus aussi. Bon, du coup, t'as une idée de tweet avec le monde de Funka ou pas? Non, je suis nul, moi, dans les trucs comme ça. Je suis pas un mec très drôle, c'est... Non, quand je suis drôle, tu vois, pas un comment, déjà, ça commence par ça. Comment. Faut finir par le comment. Non, mais tu vois, attends. Bon, soyons clairs. En j'ai envie de rejoindre... Je pense que Funka... Je pense que Padawan Kokam a dépassé.
et j'ai envie de rejoindre. Écoute, j'ai envie de rejoindre Anos dans son nouveau projet. Caster la nuit, c'est relou. Comment? Voilà. Tu vois? Et voilà, c'est envoyé. J'en voudrais comprendre. Protoss Build of the Week, qu'est-ce que c'est que ça? J'en sais rien, Monos. On s'en bat, nous. Ah, mais suis-tu ce truc? Tu m'écoutes? Ah, bah je vois ce qu'il écoute, Funka. Les remix, vas-y, play. De la petite. Je sais pas si on l'entendra. De la petite. De c'est la... mineur, ça. C'est mineur, ça, Funka. Tu peux pas faire ça. Non, mais je l'ai fermé, c'est bon. On va garder son Twitter ouvert, tu vois. Tu vois, on est déjà sur un petit like, tu vois. Ça part. Ah ouais, Emmerich, il a tout de suite. Toi, t'hésites pas à faire un petit retweet cité, genre putain, ah, merci, allez, merci à Funka, ça fait longtemps qu'on en parle et tout, tu vois. Ouais, vas-y, je vais rentrer. Tu un petit truc comme ça et on est bien. Je vais répondre, mais mec, t'es trop le bienvenu. Je m'étais trop bienvenu, papy, fuck the sport. On va jusqu'à fuck the sport ou. Tu ou là on dépasse la limite. Non 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 mais genre on est tu mets ou tu mets un truc genre on créera la BlizzCon de demain tu vois. Un truc à la con tu vois. Elle est mignonne Maeva, mais Maeva elle est magnifique les gars. Ben quelle mec, question c'est très jolie fille, les amis. Quelle question simple quoi. Ses cheveux qui sont toujours bons. Ouais. Regarde mec, c'est le morse qui fait des conneries dans le chat. Tandis qu'on a Inchalan qui vient de sub. Merci à toi pour les likes, se lancer. C'est parti. Toi Maeva là, quand j'y pense là, j'expliquais ça à ma meuf l'autre fois. De quoi? Ma meuf elle a pris un peu de, enfin un peu de poids. Elle a un peu mais tu peux pas réellement prendre du, c'est pas réellement prendre du poids, mais ouais, avant elle était plutôt menu avec un petit cul menu et tout, et là elle a un peu grossi tu vois. Ouais. Et je disais putain bébé t'es HICC comme, je m'attais son boule là, je mettais une petite fessette hein, il y a de la matière tu vois. Je disais c'est quoi t'es HICC et tout, je lui ai montré Pokémon, je sais pas si tu connais. Ouais. L'Instagram de Pokémon, tu vois, c'est ça, c'est l'idée d'avoir un boule un peu de Renoir dans un corps bah plutôt ouais, de taille fine quoi. Taille fine, ouais. Au final Maeva, je trouve que t'es un peu THICC hein. THICC avec, ça veut dire quoi là. THICC? Et bah alors en fait ça veut dire oh bah en gros c'est un terme de pente quoi. Attends, je vais te dire parce ça. Que c'est pas ouf comme appellation. Allez, alors ça c'était la divergence de cette game. Maintenant full focus, ok? C'est possible ou pas? Ça va être dur. Est-ce qu'on négocie ça? Allez, c'est voilà. Parti Maeva. Je l'ai, attends. Tu nous l'en parles après. Non. En bas à gauche, il est Protoss et il va cacher des bouches ce soir. Il n'a pas le temps de niaiser. Il s'agit de classique. Ah, t'as déjà fait les prés? Ah bah désolé. Bon bah alors du coup en bas à droite, Team Bogos, Team soulève des petites paires d'alter à la salle. Il s'agit de Dark Coca qui part en Corée et qui revient incapable de traduire Imre sur 20. Ouais, j'avoue Mr. Gears, j'ai appris à lire. J'ai appris quelques termes, genre les chiottes, les trucs comme ça. Mais à la fin, quand il s'agit de build up une phrase, c'est très compliqué. C'est très compliqué de construire une phrase en coréen. Enfin, c'est assez contre-instinctif. Une fois que tu t'es mis dans la mécanique, c'est pas si dur. Mais c'est le début qui est un peu compliqué, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, tu mets des terminaisons pour situer le mot dans la phrase. Et après, c'est du conceptuel et c'est un peu énervé, quoi. Il y a pas beaucoup de verbes et tout. Enfin bref. C'est ce que j'ai compris, après c'est des connaissances de base, tu vois, c'est comme ça qu'on te l'apprend au début, peut-être que c'est complètement faux par la suite, c'est un peu comme les mathématiques quand t'es petit, on te dit Oh, il y a un drone qui s'est fait fumer là. Oh, il lui a tué un drone, Anos, dans la ligne de minerai. Bon, vas-y, c'est quoi ton THICC? Mais qu'on finisse, Anos. Si, parce que sinon, je sens que je vais caster cette game tout seul. Mais non, mais j'avais un truc où chacune des dates. Bon, là ils disent The appearance of a very seductive female with a large ass. Ah oui, d'accord, carrément. Ok, bah c'est bon là. Ouais, c'est bon, mais non, mais moi j'avais trouvé un truc vraiment où t'avais le T, le H, le ouais, I, ouais. Le C, le C. C'est pour ça que ça m'a saoulé. C'est peut-être dans le chat, mais bon. Allez, let's go. Maeva, est-ce qu'on peut juste baisser un peu le son du jeu dans nos cas, s'il te plaît? Parce que j'entends très peu Anos. Que vous trouvez sexy. Alors, c'est pas qu'Anos a beaucoup de choses intéressantes à dire, mais non, quand même, des fois, c'est vrai qu'il y a des petites étincelles de génie. Un peu comme chez nous tous, tu vois, c'est comme TKL aussi, des fois ça lui arrive. C'est plus rare, mais c'est plus. Putain. En vrai, troller TKL, c'est drôle. C'est vrai que c'est drôle. Ouais. Puis bon, je lui ai mis 7-1 quand même, tu vois, je peux le troller un peu quand même. C'est un droit légitime, je sais pas.
Tu te rappelles quand on tu me disais, mais Coca, si tu joues TKL, ça se passe et tout. Moi, je t'avais dit non, Anos. Toi, tu m'as dit, ah ouais. Je t'ai dit, ça va être trop rapide, j'ai trop de MMR aussi. Et c'est ce qui s'est passé. Techniquement, j'ai 500 MMR de plus, Anos, ça va être du porn, tu te rends pas compte, il y aura nos matchs. Et on a fini la soirée à 22h20. Ah ouais, j'avoue, t'avais. Qu'on était parfait. Et ouais. Anos, please, ferme-la un peu. Ouais, excuse-moi, poulet. Merci, Max Terfik. Il y a un mec qui a dit ça. Non, non, il a juste dit Anos, please. Mais j'ai compris ce qu'il voulait dire. Ouais, non, mais. And he's right. He's right, mais. Allez, vas-y, on se concentre. Petite Stargate classique. On est sur un opener normal de PVZ pour le moment. Donc, en fait, là, faut savoir que la première place se joue maintenant, Anos, hein, entre ces deux joueurs-là. Tout de suite, sur papier, c'est censé être les deux meilleurs, oui. Voilà. Maintenant, y en a, si les deux sortent sur cette game, on définira qui sort en premier et qui sort en deuxième. Bon, après, derrière, on a quand même ces T.Y. Trap. Ouais, non, t'as raison, normalement, les deux pas T.Y. Trap. Même si T.Y., je non, pense que. Non, non, T.Y., à mon avis, il va ratatapatatapat. Tu vois, là, moi, je vois Classic qui gagne. T.Y. Qui se retrouve en winner match, qui perd Classic et qui se retrouve face à Dark en winner match, en decision match et qui le massacre. Bah, non, il perd. Non, il le massacre. Non, mais. Il en fait une boucherie, tu vois. Après tant d'années, tu vois ce qui est marrant, c'est des analyses aussi faibles, je ne comprends pas. Tu ne progresses pas, Coca. On dirait tu ne progresses pas. On dirait les mots ont un sens, Coca. On dirait ta première fois sur le canapé de la GSL le 13 janvier 2015 quand t'étais là en face de moi et fuck God. Putain, tu te rappelles de ta date et tout. Bah, en fait, j'ai re-regardé ça avec Aeromi l'autre jour. Je fais putain. Bah, j'étais mignon. Hein. Je comprends que t'étais sous le charme dès le premier jour. Non, moi par contre, je me suis rappelé, c'était la première fois que j'avais vu Laure. Mince, c'est Laure ? Laure Bully ? Ouais, Bully. Ouais, ouais. Parce qu'elle avait Laure un où elle disait, il y a deux ans, je matais le MSI dans la salle ou dans ma chambre, et maintenant je suis là et tout. Et je me suis rappelé qu'en effet, elle était venue avec un petit gars, qu'avec ce petit gars, en plus, j'étais parti sur un truc, bon, sur un sujet qu'on va pas partir ici, et il était à fond dedans et tout. Donc un truc un peu conspirationniste, tout ça, tout ça. Et je me rappelle de la première fois qu'elle était venue, et c'est vrai qu'elle était venue totalement en mode. Donc toi, tu te souviens de la première fois de Bully, mais pas de moi, d'accord. Ouais, c'est vrai. Pas de soucis, Anos, pas de soucis. En plus, ma première fois, mon premier passage, c'était toi au cast. Bully, c'est une jolie fille, toi, t'es un mec lambda. C'est pas comme s'il y avait 50 meufs qui passaient dans les locaux. T'as plus de chances de te rappeler d'une jolie fille, même si t'as une meuf et que tu t'en fous. Tu penses avec ta tub, Anos. C'est ça ton problème, Anos. Tu risques de te rappeler d'un mec lambda comme Coca avec des lunettes, comme n'importe quel geek. T'es insignifiant dans mon détecteur. je me rappelle du premier jour. Mais de on s'en bat les couilles. Parce qu'on avait une discussion qui avait été super intéressante avec le mec qui était venu. Je sais pas si c'était son pote, son copain, j'en sais rien. Ça allait plus maintenant, allez. Ouais, parce que je savais qui elle est. Maximum de Phoenix, mon gars, qui débarque de la part de Classic. Qu'est-ce que tu vas faire? Attends, il y a des drones qui meurent. Il y a des drones qui sont pas de sport, il n'y a rien. Si, il a du sport, mais à mon avis, quand t'as autant de Phoenix, c'est pas un immense problème, hein, tout à fait. Funkadelic Starcraft, arrête d'être beau comme ça. Et là, attention, gros massacre d'Overlord, on va soulever des drones juste derrière, ça va être un véritable carnage classique qui va entamer une forme de génocide ici. Ouais. Un peu comme moi sur le skill de Funka si on se recroisait, tu vois, dans une game. Aïe, aïe, aïe. C'est sympa le full Phoenix là contre Zerg, ça faisait longtemps que je l'avais pas vu. Ouais, c'est des Phoenix qui ont un peu Parkinson, mais qui sont pas mal. Hein. Ouais. Il a bien trouvé l'angle, il les a bien cachés. Ils font comme ça, ils font. C'est un nouveau bug ou. Avant c'était beaucoup plus fluide les dépassements de Phoenix. Regarde. Il y en a plein qui. Regarde celui-là. Ah oui, t'as raison. Il y en a tout le temps un qui fait de la merde, regarde. Ouais, parce qu'il est bloqué entre les deux. Ouais, mais c'est nouveau ça. Hein. J'avais pas ça avant. Je sais pas si. Bon, si on faisait pas gaffe, c'est une bonne chose. Allez, soulevage de drone. Oh là, mais mec, il les produit encore hein, par deux, hein, il en rajoute. J'adore moi. De toute façon, c'est ce que je disais à TK, je dis si je jouais Proto, ce mec, je ferais Mass Phoenix parce que je pense que c'est le plus intensif en micro, mais qu'est-ce que c'est fort quoi. Ouais, non, et là, tu veux qu'il traverse la carte avec quoi? Genre, il a les cafards ici, bon, et ils sont un peu hors de position les Phoenix, mais en soi, ils auraient pu les niquer quoi. Ouais. Et il aurait pu les soulever, et là, il fait des dégâts monstres en écho. Hein. Ouais, non, la et il peut défendre de l'autre côté avec la batterie shield et tout. Franchement. Mais plus de faire mal, là, le vrai problème, c'est que t'as l'impression que c'est facile en fait. Et ça c'est pas normal à ce niveau de jeu que t'aies l'impression que ce soit si facile que ça pour Classic. Bon après du côté de chez Dark, hein, ne vous trompez pas. Si, trompez-vous. Ne vous y trompez pas, voilà, il sait emmagasiner ses pertes. Regardez son nombre de collecteurs. En fait il perd un drone, il le reconstruit, là. Exactement. Il est en train de partir sur des corus. Mais c'est pas comme s'il avait fait masse armée, qu'il était allé donner masse armée, qu'en plus il avait perdu masse écho et tout ça. Non, il avait fait un investissement dans l'écho, donc Classic calme un peu dans son investissement, mais pour autant... Il développe toujours, même si c'est pas fou.
C'est ça, un petit peu version Kojunu dans les abdos MMA, si t'es pas prêt t'es KO, mais en l'occurrence Dark avait les abdos serrés. C'est ça. On envoie les coros ici là pour essayer de se faire effrayer. Ouais mais mec il les massacre hein. En plus bonne micro, regarde il y a des phoenix qui finissent très très low point de vie, là on peut y retourner, deux sports c'est le minimum mais ça se fait pas pour autant survivre, c'est juste ça te permet de tuer un phoenix si jamais le mec vient gratter, mais bon il te tuera quand même 10 drones. Ouais. C'est quand même un carnage, parce que Protoss c'est fort, n'est-ce pas Funka? Ouais, il est d'accord. Il va falloir essayer d'avoir la masse assez suffisante, on va en attendre 4 de plus, quand c'est comme ça, faut vraiment pas donner ses unités avant quoi. Vous voyez là faut pas qu'il donne de corrupteur, je vois qu'il y en a un qui va tomber, un deuxième qui va tomber. Et vous voyez il y en a que 4 qui sortent. Je pense qu'il en aurait fallu 4 ou 5 pour avoir la masse critique. Donc il y en a 4 qui sortent, vous en donnez 2, ça fait réellement une création de 2. Vous êtes encore en moins 2, moins 3 pour votre masse critique. Donc faut vraiment que Dark fasse attention à ça, même si c'est plus facile à dire qu'à faire. C'est ça. C'est comme s'il était en train de passer son permis et qu'il avait pas vu le feu rouge, tu vois, c'est un peu compliqué. Faut réussir à négocier. Troisième fois que j'ai passé le permis, j'ai failli faire ça. On l'a pas donné du coup. Tu l'as raté 3 fois? Ouais. Moi je l'ai raté 3 fois aussi. Je l'ai eu sur le dernier. J'ai raté 3 fois mon permis pour conduire. J'ai eu sur la 4ème session moi. Ouais, pareil. Ouais. Et après, si je le rate encore une fois, j'aurais dû repasser le code et tout. Commencer à me mettre la pression. Ouais, moi je me suis un peu fait fils de pute, on va dire. Et bah, moi aussi. Mais bon, c'est comme ça, tu vois. Mais moi c'est trop story. Alors, toi, à mon avis, c'est un mensonge. Non, mec, c'est pas vrai. Je suis passé à un orange. Et on m'a mis un orange qui est devenu rouge au niveau de ma porte arrière, tu vois, à peu près. Ouais. Et on m'a mis passage au rouge fixe. Sérieux? Ouais, éliminé. Ah, bon, j'avoue. Ouais, je me suis fait baiser. T'as une petite gueule de Versailles. En vrai, mec, j'ai une petite gueule de Versailles, ouais. Je sais que c'est pour ça, gros. Parce que je suis passé à trappe avec un rebeu un peu énervé d'1m60 qui était là un peu nerveux, le mec, qui parlait de foot avec le gars à l'arrière. Et genre à un moment j'ai voulu caler un truc, il m'a mis un méga remballe et puis j'étais genre ah ouais d'accord, pardon, vas-y, je paye mon boule. Et au final j'ai pas eu. Attention ici, putain, on digresse tout le temps avec toi, non, ça me saoule. Ah pourtant tu digressais tout seul, bah je t'ai un peu lancé j'avoue. Ouais tu m'as lancé toi qui apparaît. Je suis un malin. Attention ici, attention, les phénix vont-ils être contrôlés. Il est en train de lui déraper sur la bouche là. Voilà, les archons, là regarde le nombre d'archons. Ouais. Doigt d'honneur. Oh là là. Ok. Ah la GSL c'est vraiment un niveau quand même. Mec c'est genre l'erreur elle pardonne que d'un. Ah ouais. Ah classique il est violent. Comme un jeu de la part de classique. De l'autre côté la nature lui a pas donné le physique, fallait bien qu'elle lui donne l'intelligence. Hein. Ça c'est pas sympa non ça. Ah il a quand même une tête. Non mais mec attends c'est quoi ce jugement là? Pour moi, franchement, je serais allé faire les cours Florent. Hein. Je me serais dit, bon, il y a plein de mecs qui vont pas me vouloir, mais un jour, on va falloir un méchant, mon gars. Je peux faire une trilogie Star Wars. Bon, mais oui, papy. Anticipe, sois malin avec la vie. Merde. Putain. Comment. Ah, il a quand même. Non, mais il est peut-être de ouf. Non, mais mec, comment on fait alors pour Dark? Parce que lui, il est beau gosse, tu vois. Zest. Zest c'est ton boy, on sait que Zest c'est ton boy. Ah Zest ouais. Si t'étais, sur un autre style d'appréciation des corps humains, eh ben tu... Ah non, si j'étais homosexuel je serais Snoot. Ouais. Ah non je serais Snoot. Ouais mais en coréen. En coréen? Full Zest hein, je suis sûr que t'es full Zest. Ah Zest, ce que j'aime chez lui c'est son côté mal alpha. Ouais. Plus qu'une histoire de physique. Ah ouais. Zest il a l'œil du tueur, il a l'œil du truc, c'est ça que je trouve excellent, c'est le joueur, c'est que tu vois que... C'est comme Philippe Zestebèche qui coupe une endive, tu vois. Il sait exactement où il doit couper l'endive, tu vois. Tout est calculé, tu vois, je veux te dire. Les gens... À l'atome près, il sait où fallait couper l'endive. Sinon, il perd un peu de saveur avec son endive, il le sait, tu vois. Anos qui pète une pile, et le chat aussi. Et c'est ça qui compte. Allez, Dark en bas à gauche de la carte. Qui doit revenir, qui doit pas se laisser faire, on l'a dit tout à l'heure. Celui qui gagne ce BO3 s'assure probablement une première place, parce ouais. que ça sera une petite biscotte qui va arriver après. Et ici en haut à droite, c'est classique. Allez Anos, celle-là on fait un perfect, ok? Zoom him, look at this face. Allez c'est parti pour classique. Il est pas aidé par le maquillage aussi là. Clairement, quand ils l'ont fait pas l'eau et tout. Ouais. Ouais. Anos, je veux que tu me fasses un parfait commentaire sur celle-là. Ok. Pas de digression. Je parie que tu vas digresser avant moi. Une métaphore autorisée, mais pas d'histoire de merde à raconter, ok? Non, je vais faire... Les gens râlent, certaines personnes ont dit Yogo doit arrêter de confier des events aussi importants à Tkoka et Anos, et ça m'a fait mal à mon amour propre.
Parce que je me rappelle avoir fait des très bons casses dans ma vie, tu vois. Et ça, ça me fait du mal. Alors du coup, on va rappeler à ce petit père qui est abonné et qui a le droit je de se plaindre. Je pars bientôt. Tous ceux qui sont saoulés de ma gueule, vous inquiétez pas. C'est mais personne n'est saoulé de ta gueule, Anos. Et c'est pas une excuse de partir bientôt pour faire de la merde, ok. Bah si, bah attends, c'est non, bon, c'est mais... la fin, je peux me lâcher un peu. Non, c'est, Anos, bon, c'est pas parce que t'es en phase terminale de cancer que tu vas foutre le bordel dans la street parce que t'es bientôt parti et tout le monde s'en fout. Non, tu vois. Moi, c'est ce que j'aurais fait. Ben non. Maintenant, tu vas te concentrer. Et tu vas me dire ce qui se passe sur ce début. T'as digressé avant moi là, donc j'ai déjà gagné. Non mais c'est, non, c'était facile, c'était, on était toujours dans la phase explicative de pourquoi on n'avait pas digressé. On la compte pas celle-là ? Non, on la compte pas, ça marche. Allez, vas-y, dis-moi. On a une probe ici qui agresse. Qui perturbe c'est le carré de minerai. Ouais. Mais je vous dirai pas pourquoi, parce qu'on le dit tous les soirs. Et qu'à un moment, ça me saoule. Voilà, à toi. Je vais te massacrer. Je vais te massacrer. Oh merde. Aïe aïe aïe, bon. C'est l'early game, les gars. En vrai, c'est le moment où on a le droit de digresser. Mais là, on va pas digresser, ok. D'ailleurs, je sais pas. Ah. En fait, sur Hello TV, cette analyse bien, c'est. Ouais. C'était sur. Enfin, bref. Ouais, fut un temps où, en effet, sur l'early game, on avait le temps de digresser. Maintenant, je pense que c'est un peu l'inverse. Faut faire attention à l'early game et tu peux digresser et sur en même mid-game. Temps, là, on peut te coller une Stargate très bientôt de la part de Classic parce que. Le PVZ étant comme il est, il n'y a pas tant de variations que ça. Ici, Classic, il va aller s'assurer qu'il y a bien. Un petit. J'ai quelqu'un qui m'appelle. Vas-y, check. Comme ça, pas de discrétion, ça c'est sûr. Travaille, poulet, je te rappelle plus tard. Et. La petite Stargate, voilà, classique. Il pose les bails en mode standard. Qui. Comment j'ai kické ? Comment ? Comment j'ai kické l'appel ? Ouais, ouais, t'as fait. Vas-y, c'est propre quoi. T'as fait, mec, je suis au boulot, c'est suffisamment rare pour être noté, me pose. Laisse-moi faire mon job. En plus, là, j'ai promis que j'allais pas faire de discrétion. Comment ? Allez, du coup, petite Stargate, voilà, ici, qui est lancée de la part de Classic Dark, lui, qui embranche sur un développement tout à fait standard. Je dirais pas qu'elle est petite, la Stargate. Moi, je dirais que c'est plutôt medium grand, quand même. Je dirais une Stargate est envoyée de la part de Classic. Plutôt que standard ? Ouais. Ah, bah, t'as dit une petite Stargate, ça m'embête. Le socle est pas petit comparé à la moyenne des socles Protoss. Ouais, je vais te massacrer, Anos. Je vais envoyer un mail assassin. Appelle Yogo quoi, demande un remplacement maintenant. Je vais dire Yogo là, si je peux l'encastrer dans un mur, je continue à caster, mais sinon. J'ai pas de problème avec l'état, avec la boîte, c'est bon, je hello peux Dark. Te frapper. Hello Dark, Zeag, my old friend. Ah ouais, à mon avis, hello darkness. Na-na. Ouais, c'est ça. Après, j'ai pas réussi à lire. Ah, mettez pas trop de mots, les gars, ça fait du tout petit, après on peut pas lire. Voilà. Mieux vaut un message qu'on comprendra pas, mais qu'on peut lire, plutôt qu'un message très clair, mais qu'on peut pas lire. Du coup, cut ton message. Mais en tout cas, c'est comme pas Twitter. De re-sub. Merci à toi, Riando. C'est pas 144 caractères, là, c'est 44 caractères. Et puis c'est 280 Twitter maintenant. Ouais, mais moi je parle de l'ancien Twitter. Ouais, mais toi, tu parles de l'ancien StarCraft, de l'ancien Twitter. Je suis en 82, papy, qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Je me rappelle que des bonnes choses. Moi j'ai connu les bonnes choses, t'as connu quoi de le bon ? Le mur de Berlin était encore dressé. T'as connu quoi de bon ? Qu'est-ce que t'as connu de bon, dis-moi ? Bah, la sortie de StarCraft 2. Tu fais quoi maintenant ? Qu'est-ce que tu vas faire ? Allez. Et puis là, tu m'emmènes sur un terrain où je veux pas aller, c'est-à-dire autre chose que cette putain de game, ok. Je vais te massacrer. Qu'est-ce que t'as connu de bon, la sortie de StarCraft 2. Le mec est caster StarCraft 2, il reste encore sur StarCraft 2. Je te parle de la vie, je te parle de l'ensemble, merde. J'étais vivant pour la finale de la Coupe du Monde 98. Tu vois, moi j'ai 98. Connu la belle époque du rap, j'ai connu Football Web, France 98. Bah ouais, moi aussi. T'avais quel âge ? 3 ans, ça compte. J'ai été en couche pampère. Alors que moi, j'étais en train de boire des bières, de fumer des joints dans. Eh bah, c'est bien ça, tu profites de la vie à boire des bières et fumer des jardin, joints. Tu vois. Et j'étais là, allez, et petit, la transversale. Ah non, c'est 3-0, on leur met 3-0, coca. On a acheté le match ou quoi ? On a commencé à se poser la question, tu vois. C'était beau, putain. Allez, vas-y, commente-moi ce truc parce que putain, j'ai un oracle qui attaque des drones. Oh mec. Queen défend. Oh mec. Il y a 4 drones qui sont morts en plus juste avant sur 2 adeptes ici. Tark qui déjà prend des dégâts économiques. Et conseil crépusculaire. Donc on part sur du charge lot. C'est ça. Et on va pas pousser plus que ça. Vous le voyez sur la Stargate pour le moment. La chose qui nous en convainc, c'est de voir le bâtiment des Hauts Templiers là. Parce que vous ne pourriez pas en fait produire à la fois vos îlots, vos quelques sentry en plus d'acheter en plus des phoenix. Donc il faut faire des choix dans ce jeu. Et le choix a été fait par Classic. C'est ça, exactement. Et du coup, on ne suivra pas du tout le même plan que la game précédente où on a fait ce fameux full phoenix, ce qui est très rare. Hein. Honnêtement, ça faisait très longtemps que je l'avais pas vu. Pourtant, ouais. C'est un style de jeu intemporel qui marche dans tous les match-ups. Bah, ce qui est marrant avec ce style de jeu, c'est qu'à chaque fois qu'il est ressorti, il a toujours dis, ouais, quand même, phoenix, c'est fort. Mais quoi. Ouais, mec. Mais c'est, comme c'est marrant, là, il y a des protos qui recommencent à faire des chinoises, hein, phoenix puis colosse. Et... Ah ouais. Mais ça casse des bouches, hein, genre ouais. Si t'es pas prêt, tu te prends un taquet ultime.
PVP ça fonctionne aussi parce que t'auras beau avoir des batteries shield, quand t'auras 3 phoenix qui vont taper en même temps, ta probe elle va exploser quoi. Ouais. Et bon bah du coup c'est. Non mais le phoenix c'est une très bonne unité et c'est une composition qui marche depuis toujours et c'est ça qui est marrant. Ouais. Alors attention ici, petite micro de probe, on va essayer de la sauver. Est-ce qu'on peut s'en sortir? Non, ça ne passera pas. Elle va crever, Anos. Sacrifié sur l'autel du beau jeu. La queen ici. Ah, on a voulu lever la queen et puis on se rend compte qu'il y a quand même un peu beaucoup d'entières. 2 queens, plus 3 queens, plus un spore. Donc bien joué de la part de Classic là de pas pousser. Il y a des moments où ça sert à rien de pousser, les gars. Oh, le mur ne bouge pas. Lee Cole ici qui nous fait monter la road to poutre. Prochain palier, bon il est loin, hein. C'est le 2006. C'est Yogo à Valencia. Yogo, tout frais payé par vous en fait, hein. Directement envoyé à Valencia pour T'as trop bien vendu le concept. Bah mec, c'est ça en fait, c'est genre payé à Yogo la DreamHack Valencia. C'est ça, mais c'est plus t'es commercial toi. Plus que toi t'es commercial. Anos, réponds pas à vous. Plus que les vacances. Oui, non mais plus que les vacances. Parce que mon rôle de commercial c'est pas d'annoncer le prix, c'est d'annoncer qu'est-ce que tu gagnes. Sinon c'est de la merde. Justement, là je trouvais que t'étais mauvais dans bah oui mais tu me coupes avant la fin. Est-ce que t'es allé voir Einstein lui expliquer qu'à la moitié de sa formule ça te alors, faisait chier? Égal, non, je t'arrête. Là, toi, tu fais le mathématicien, non? Non, t'as pas fait ça. Bon, voilà. Ça, en plus, en fait, de simplement payer le voyage, ça paye les frais d'inscription aussi, ça paye plein de choses pour que Yogo puisse eh bien, amener du beau jeu en plus d'un DNS, d'un truc et tout. Donc, c'est lourd. En vrai, c'est lourd comme truc. Putain, mais toi, t'as vraiment l'impression d'améliorer ton argumentation là sur cette phrase. Oh, mais vas-y. Toi, c'est juste que toi, tu soutiens pas les gens hein, sur internet. Mais non, toi, mais t'es pas sub nulle part. Toi, t'es c'est un schlag. T'as aucune passion. T'as aucune passion, Anos. Tu sais à qui tu me fais penser? J'ai aucune passion. À Gibbs par rapport à League of Legends. Bah, du jour au lendemain, tu peux te casser, toi. T'es vraiment un chien. Voilà. C'est quand toi, putain, t'es genre de mec. T'es un chien, j'ai tout donné à Blizzard. Enfin, tout donné à Blizzard. Ça, ouais, mais c'est fini cette période. Tu as tout donné, tu le dis au passé toi-même. Moi, je te parle du futur. Je te parle de Yogo à Valencia. Mais le futur, mec, c'est de. Et attends, il y a un mec qui a sub, c'est Enzo. 6213, dis-lui merci. Le futur, c'est de se rendre compte que t'as peut-être accès d'expérience pour toi aussi créer des choses et pas rester juste en commentateur, mec. Hein. Mais gros, c'est noble. Hein. Tu vas voir, il y a un truc qui va popper soon sur le Planning au Gaming. C'est moi qui l'ai créé, tu vas voir. C'est les gens, ils vont parler chinois. Ah ouais? Ils vont faire, bah là, j'ai passé un bon été grâce à ça, tu vois. Ok. Moi, ça bosse, Anos. Ça change le jeu ou pas? Bah non, ça change pas le jeu. Ça changera pas la fin. La vie, c'est hardcore. Hein. Faites massacrer. Tu sais, Einstein a dit si tu fais deux fois la même chose, faut pas t'attendre à un autre résultat. Il avait raison. Il est fort cet allemand, putain. Void de sa part là du côté de chez Classic. C'est le petit Void défensif parce qu'on sait qu'en fait on va se faire Doom Drop. On l'a vu ici avec Setups. Et si ouais. Tu sais que tu vas te faire Doom Drop, et bien en fait placer un Void Ray ici c'est la meilleure des défenses. C'est parce vrai. Que en fait le mec va rentrer dans ta portée, ouais. Et il va nécessairement perdre un Overlord en fait le ouais. Temps de trajet. C'est ce qui sera à temps. Est-ce qu'il sera à temps? Attention. Et en plus, ici, même quand tu déposes, t'as le Void qui reste toujours un peu là et tout. Donc c'est vrai que le coup du Void c'est super bien. Oh là là. Ah vraiment, oh, classique. Mec, t'as vu comment il a timé. Ah ouais. Mais allez, Dark là il est bien avec ses 200 de pop. Il a un Rochidra. Classic n'a pas toute son armée qui est regroupée. Vous me direz Dark non plus, hein, vu qu'il y en a pas mal dans les. Ouais, dans les overs là. Mais il peut essayer de dodger un peu cette valeur d'armée. Là, s'il attaque sur B2 et B3 en même temps, il y a forcément. Enfin, il y a possibilité d'un trou qui sort. Il tempe aussi bien avec ses storms ici, Classic. Et du coup, il va y aller. Dark qui rentre dans le tas, qui va dégraisser un peu les élotes. Il arrive à faire une bonne concave. Il arrive avec les unités des overs par au-dessus. Oh là 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 là. Qu'est-ce que c'est chaud. Bien fait. Attends, la micro-imo. La micro-imo qui fait tout le taf. Regardez, 8 kills, 10 kills, 10 kills. Ils font un véritable carnage à Nos. Ouais. Oh là là, il en perd pas un seul. Oh là 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 là. Oh non, mais mec, c'est le Brésil là. Ouais. Bon là, il en a perdu un quoi. Mais... Regarde les pop armés quoi. C'est bien joué. La def a bien fonctionné de la part de Classic. Il est fort. Hein. Très très bonne défense en effet. Même si à un moment les chargelots, je les aurais plus vu partir au nord, mais c'est de l'ordre du détail parce qu'il n'y avait que des Hydra. Donc tu mettais que quelques chargelots, tu nullifies énormément de DPS contre au sud. Au final, tu nullifies qu'une partie de DPS de roche. Bon, c'est vraiment du détail, on s'en fout. Il a quand même gagné avec ça. Donc super bien joué de la part de. C'est ça. Si on le voit aux pertes au final, si, c'est classique. Limo fait sortir une équation qui est intéressante au final. Ouais, yeah qui est OG Innovation, c'est mort. Merci des bisous. Merci Oriando. Qui est. Oriando qui a sub tout à l'heure, je crois. Merci. Faut pas que la fight dure trop longtemps. Parce que le problème, c'est que Limo. Bah, il DPS en fait. Il DPS beaucoup trop, ouais. Et donc, du coup, là, on a une fight d'une minute, 1 minute 30 peut-être, je sais pas, j'ai eu du mal à sauter dans l'action. Une minute, ça fait beaucoup, je pense. Enfin, ça dépend si tu prends à partir de la première storm ou pas, quoi, mais. Ouais, c'était un truc assez long, mais c'est clair qu'entre les storms et les. Parce que pareil, il envoyait une storm et il reculait, il engageait pas, et ça, ça veut dire qu'en fait, tu prends de la vie à ton adversaire et tu regagnes de l'énergie de ton côté pour pouvoir peut-être en renvoyer une, quoi. C'est vrai. Donc, c'était très très bien fait de la part de Classic, c'est sûr.
Là ici est-ce qu'on va stormer. On a peut-être envie de les garder ces achetés là. On va simplement perdre ses canons. Attention ici. Faut viser les over. Faut viser les over, c'est comme contre Terran, faut tuer les drops. Essayer de faire en sorte que le moins d'unités possible se décharge. On va revoir PDC là en défense. Je pense qu'il va abandonner the mission dark. Ouais. Abandonné. Il joue bien un dark, hein. C'est Robert dommage, hein. Il y a vraiment que d'idées, hein. C'est juste du classique et partout quoi. C'est la séparation de son armée est parfaite, sa vision de jeu. Oh my man. Oh, il y a tellement d'immo à choper, tous ces erglings. Attention, attention, attention quand même. Oh là là, ici eux ils temporisent à mort. Ils temporisent à mort. Et regarde, il storm direct, genre crevé. Je vais les défendre. Mais attends, les immo ils sont pas morts. Dark, c'est un putain de jeu. Mais mec, t'as, non, t'as mais vu les 10 mutas là qui vont sortir. Il a perdu un seul immo mec, hein, dans ce trade. Hein. Impossible à lire ces 10 mutas. Impossible à lire. Faut les lire sur la fournée des Zerglings qui n'avaient rien à foutre ici. Qui aurait dû être 10 roach. Ouais. Et c'est là où tu peux dire qu'en fait il te manque du gaz qui t'a tiatata. Gaz que tu peux te dire que, ouais, je sais pas, peut-être il ne passe dans le T3, dans les Vipers, Ultralis qui aura aucun sens. Ouais, c'est lisible, mais c'est vraiment une lecture bien cachée. Poil, quoi. C'est une lecture Illuminati, tu vois. C'est... Oh, il a pris un c'est tarot, un nom de code, tu vois. Si t'es pas dans le code, tu peux pas savoir. Comment Demonx. Comment est-ce qu'il s'appelait ce film avec Demonx et les Illuminati? Il va au Vatican et tout. Je sais pas si je l'ai vu, mec. Ah, truc du code là, Da Vinci Code. Voilà. Ok, je l'ai, je me rappelle pas très bien de ce film. Je l'ai vu vraiment sans être concentré de ouf. Oh, il y a une petite actrice française là que j'aimais bien un moment. Audrey Tautou, je crois. Ça Audrey Tautou. Ouais. Tautou, c'est Tautou, ouais. Ça, on la voit plus à la regarde. Ouais, on l'avait vu popper dans 4-5 films d'affilée et puis ensuite un peu disparition. Je pense que ça, c'est le genre de personne qui aime pas trop la starification. Ça m'étonnerait pas qu'elle soit écartée par elle-même. Je sens que c'est une femme assez réservée. En tout cas, ça n'a rien à voir avec la game à nos. Non. Tu vois? Tu vois comment t'es. Ah, bah puis. On change pas une équipe qui gagne. Ah, puis si je me sentais encore plein de trucs à dire et tout autour de StarCraft 2, je. Oh non, 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 ça je veux pas entendre ça. Côté, c'est normal aussi. Je veux pas entendre ça. Faut être logique, coquin. Logique. C'est la vie. Et allez. La vie, c'est la vie. C'est StarCraft 2. La vie n'est pas logique, Yanos. Parce que si c'était logique des statistiques, on serait pas là en train de commenter du jeu vidéo. Si tu remontes à quelques millions d'années, tu te dis mais putain, mais comment c'est parti en couille quoi. Ouais. Et ah, pourtant, c'est vrai qu'il y a 50 ans, tu dis à des gens qui auraient des métiers comme ça. Les gens ouais, ouais, déjà, tu parles de Twitch à des grand-mères, elles pètent une pile. Hein, donc imagine un chimpanzé qui commence à marcher. Putain, mais. Ferme ta gueule, allô, c'est la GSL, sérieux. Merci Hyperion. C'est une façon, on va dire, très généreuse de le dire. Ouais. Parce qu'il y a quand même un don d'argent. Mais on prend note, merci. C'est donné avec le cœur quand même. Attention là, ah c'est bah, marrant. Ferme ta gueule, il venait du cœur. Ouais. Mais je t'en supplie. Mais suis c'est quelque chose, merde. Oh merde, voilà. Swarmost qui a essayé derrière. Donc là, les mutas qui sont pas passés. On va tenter les Swarmost. On sent quand même que la Dark arrive dans un registre où il a pas trop la solution. Il a pas la clé à la serrure. Il a pas, ouais, il a pas la compo qui fonctionne quoi. Ouais. Il a du mal à aller la chercher ou il va la chercher doucement. Enfin, c'est vrai que là, il en est à son deuxième switch techno déjà. C'était donc pas bon signe dans le jeu. Hein. Normalement, un switch une win quoi. Bah en fait, c'est ou surtout t'as un plan très précis de ce que tu vas faire. Ouais. Et souvent qui se gradue par une espèce d'augmentation technologique quoi. En fait, tu vas de plus en plus vers le haut. Là, en l'occurrence, le Swarmost. C'est pas une augmentation drastique, ça peut être une compo de choix dès le début. L'attaque bien qu'il est bonne, le T3. Hein. Vraiment juste après les nuisibles, très bien joué, il restait des nuisibles en plus pour tanker les coups. Je dis pas qu'il faut le T3, il faut l'infos d'un face, pardon, excuse-moi, j'ai cru faire. Très, très propre cette attaque de Dark. Ouais, il chope pas grand chose hein. Classique passe carrière. Ouais ouais, non, juste le. Ouais. L'exécution. Et ici les mutas qui se sont fait full clean par un petit amas de phoenix, il en a produit 5 et il a réussi à clean tranquillement les mutas sans le vent et les pins du pied de cette manière là. Et attention ici un premier arc, donc il va prendre le deuxième, on peut peut-être le focus quoi, puis on va décider de tuer les phoenix. Oh, des immo qui arrivent sur le côté qui défoncent pas mal les Swarmost. Oh, le gros storm sur les Hydra, classique qui est en train d'y aller et qui met une baffe légendaire à Dark sur cette fight. Mais il n'y a pas fight du tout, il a perdu aucune unité quasiment le jour Protoss là. Oh, tu vas un peu loin là. Oh. Non mais mec, il a perdu les 3 immo à gauche et 4 phoenix. Ouais. Et ah ouais, phoenix, ils s'en foutent, ils servent plus à rien, tu vois. Il a moi, toujours. J'ai l'impression que sur une prochaine salve là, avec les 26 Hydra qui sortent, il peut se faire counter. Moi, la game est encore gagnable. Après, il y a triple carrière qui sortent maintenant. Ouais, ça c'est problématique. Son follow-up est parfait. Son classique, c'est. Career has arrived. Il élève la race Protoss vraiment.
un 2 gap. Ah, le recall est beau. Ah, c'est bien joué. Il perd un acheté sur le recall après avoir pris une base et plein d'unités à son adversaire. Non, mais c'est classique, de toute façon, c'est premier de groupe, tu vois, papy. C'est, ouais. C'est tranquille, tu vois, c'est la finesse. C'est la grosse intelligence de jeu, surtout. Mm. Classique. C'est le Einstein du jeu vidéo, quoi. C'est ça, il est pas dans le moutonnage, quoi. Tu vois, c'est quelqu'un qui comprend, c'est pas quelqu'un qui copie. Et c'est ce qui fait, c'est ce qui fait son génie. Allez, attention ici, on va se positionner un peu avec tout là au niveau de cette B4. Il faut y aller, si on n'arrive pas à la prendre, ça va être un peu désespéré pour Dark. Voilà, on va placer les Swarmos sur cette rampe. Mais là, les carrières qui sont déjà bien en position, qui sont en train de dégraisser les Hydras. Il peut se passer quelque chose, attention. Attention, il y a beaucoup de storm ici, regarde. Il y en a. Il n'y a plus rien. 4. Il a perdu un carrière, c'est tout. Un carrière et deux canons, quoi. Non, 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 là, je crois que c'est mal barré pour le joueur Zergla. Ah ouais. Faut pas y aller, je pense que côté classique faut pas y aller, t'as deux carrières de plus qui vont sortir et notamment le Mothership qui va pouvoir conclure un petit peu l'histoire je pense. Hein. C'est le vrai problème quand tu joues classique, c'est qu'il fait pas d'erreur directe. Ah ouais non c'est clair. Et Starcraft 2 c'est... En fait l'erreur chez classique tu la provoques avec un truc oméga réfléchi et c'est pas l'impression que me donne Dark là pour l'instant en fait. Dark il... Starcraft 2 tu trouves des failles, t'exploites les erreurs directes de ton adversaire, c'est comme ça que tu gagnes. C'est ça. Mais problème, moi Dark il m'inspire pas l'intelligence de Rogue, tu vois. Dark c'est cheeky mais c'est pas adapté, tandis que Rogue c'est adapté à la personne et c'est là où je trouve que... D'accord. Tu vois. Sous c'est full mécanique, Dark c'est un peu moins mécanique mais c'est un peu plus cheeky, du coup sur un mec qui est moins mécanique que lui ça va être un carnage. Rogue c'est adapté à la personne et c'est comme ça que Rogue il débarque en finale de Kato et il met 4-0 à Classic. Je suis d'accord, quoi. Mais la vraie question était de savoir qui passe après Classic. Oh, oui bien sûr, mais entre TY et Dark, à mon avis c'est plutôt Dark mais... Moi voilà. Je tire pour TY parce que Terran, tu vois. Voilà. Parce que j'aime les bonnes choses, Anos. Ah ouais, d'accord. C'est ça. On est tout à fait d'accord. Ouais. Pourquoi tu parles? Comment? coup de tête envoyé directement. Anos, putain, flamme taille. Tu sais que sinon, continue à digresser, tu vas faire masse de donations. Ouais, tous les gens qui disent ta gueule, ils sont obligés de dire 3 euros. Donne 3 euros. Ah, tu penses pas. Une ça. Grosse. Ça peut être une stratégie. Non. Je déconne. La mécate ici qui est posée. Le mec un peu nerveux. Moi j'ai pas de chance entre TK et le bourré et toi là. c'est quand que je fais des vrais casts hein. Comment? Bref. Pourquoi t'as casté avec TK après 3 bières Ouais. Pour le Yogo Imre. C'est pas passé inaperçu auprès des viewers. Hein. Genre, les gens n'ont pas été dupes. Ah bah dégage, t'es bourré. c'est violent. Ouais, quelle addiction, ça se sent un mec 4 buts. De toute façon, il articule moins bien, c'est horrible. Ok. Oh là là, il n'y a pas d'énergie sur les infas. Il y a quelques fungles. Oh, directement, les gros storms qui vont tomber. Les Swarmos qui se font défoncer à l'atterrissage. Ouais, bon, d'accord, ok. Cette fois, il faut regarder les chiffres. Hein. 123, on est passé à 119. Il a perdu 10 de pop. Un petit peu plus. Il perd pas de pop. Il remonte sa pop. Ouais bon voilà, hein. Je pense que cette fight parfaite même. On a perdu 8 de population pour conclure cette fight côté classique qui s'impose sur un 2-0 bien envoyé. Pas de discussion possible je pense à nos. Non, c'est marrant de voir que les Zergs ont des vrais problèmes là avec les infestateurs. Là tu vois encore une fois des infestes et puis ça a pas bougé plus que ça quoi. Putain mais Anos ferme pas ta gueule. Big up, merci papy pour la donation. Et on a vu que les trois infestes ont servi strictement à rien. Il y a une vraie problématique là sur l'infest pour les joueurs Zer qui sentent en fait, à mon avis, hein, qui sentent qu'il manque quelque chose à leur compo, mais qui trouvent pas encore bien les solutions. Donc du coup tu fais l'infest en disant que ça peut te servir. Et puis dès que t'es dans le mouvement, ce que j'appelle le mouvement, c'est dans la fight où ce qu'on disait quand on parlait du taekwondo ou de la boxe, c'est t'as qu'une fraction de seconde en fait pour réfléchir. Donc c'est plus des c'est plus ton passif qui c'est va parler qu'une vraie réflexion. Bah là on se rend compte que comme il y a pas de passif avec ce nouvel infest, enfin avec les modifications d'infest, c'est le même, hein, mais vous le savez. Bah du coup tu sens ce côté, la trois infestes qui meurent comme ça. À l'époque où l'infest était vu comme une unité clé avec son fungle à 100% de ralentissement là, enfin, jamais un Dark aurait donné trois infestes comme ça, tu vois. Donc c'est... Ah, il faut de toute façon, la synergie dans la compo de Dark, on la voit pas trop. Un espèce de Rochidra plus Hydra avec des Swarmost et des infestes. C'est quoi qui tue les carrières, tu vois? Bah, Rochidra, il a tenté le multitask, il voit que ça passe pas. Il voit qu'il y a trop d'Imo, il tente les mutas par rapport aux Imo, ce qui est bien joué. Ça passe pas non plus. Il tente le Swarmost parce qu'il voit la... Mais la masse critique est là. Donc non, mais ouais, il a tenté, hein, mais... Bah pour être honnête, ça c'est le genre classique, je trouve vraiment bien parce que il y a plein de games qu'on cast où, en toute honnêteté,
juste en regardant la game comme ça, tu peux trouver des solutions et tu aurais vraiment l'impression que tu pourrais conseiller le joueur intelligemment. Là, ce genre de game, tu sens qu'il faut que tu la remates dans ton coin, que tu analyses vraiment tout et qu'il te faut une heure et demie pour tirer bien les traits parce que t'as pas de grosses erreurs. Donc, c'est une accumulation de petits trucs qu'il faut bien. Donc, non, là, très clairement, ça joue très très bien et. Et ouais, non mais le seul truc que j'ai, tu vois, le seul truc qu'on peut questionner, c'est au moment où il fait ses 4 over de drop, et ben il fait un vigilant à côté, mais le vigilant il est pas avec les over de drop ou je sais pas quoi, enfin bref, du coup il est vu par un ops mais il le sait pas, et donc il arrive dans la B1 et il est attendu par ce void ray et les 5 stalkers, tandis qu'en l'occurrence il avait clean, tu vois, comme un terrain qui il charge ses drops, tu t'envoies un scan, tu vois, d'abord tu charges tes drops ensuite, ouais. Ben là c'est un peu pareil, tu vois, tu clear la vision et ensuite tu te dis ok je peux y aller. Il n'aurait pas été attendu, il aurait fait le taf. Tu vois. Non, je suis d'accord, mais je pense que c'est du micro-détail à ça, en fait. Devrait avoir un autre passage qui est normalement est fait par le Nidus, ouais. Mais le Nidus force aussi la vision, et le Nidus est très peu exploité. Et je pense vraiment que le Nidus fait partie de la base mathématique pour que la race Zerg fonctionne. Et vu que tout est, enfin, il y a beaucoup d'unités au CAC et compagnie, t'es vraiment obligé d'avoir plusieurs points d'accès, donc la map doit rentrer en compte, mais je pense aussi, ouais, qu'au niveau de l'accessibilité, je sais pas, peut-être tenter le Nidus, ou peut-être, comme tu l'as dit, avoir un vigilant qui aurait du truc, mais c'est dommage que l'idée est bonne, ça colle avec tout, mais classique, encore une fois. Ouais, classique, après c'est la mécanique parfaite, c'est le plan de jeu qui est suivi, c'est parfait quoi. Ouais. Classique qui ira donc en winner match pour affronter le gagnant de la prochaine rencontre entre TY et Trap, un TVP qui va faire bien plaisir. Moi je bête sur TY, tu bêtes sur qui toi, Trap? Je mets sur TY aussi, tu vas même bête si sur TY. Je pense que ce sera pas non plus facile, mais ouais. Et après TY il va devoir scolter peut-être, enfin on verra s'il passe un classique, ça va être compliqué. On se retrouve dans 5 petites minutes les amis pour le deuxième match de cette GSL, à tout de suite.